Cause if I only had 100 fans, I'd take them all to dinner. Talk about the people that we used to be. Let me know, do I still got time to grow? Things ain't always set in stone. That be known, let me know. Let me know, do I still got time to grow? Non mais j'en peux plus. J'en peux plus. Ça fait 3 quarts d'heure qu'elle est sur cette combi là. Alors on hésite à la prendre, mais la meuf, depuis tout à l'heure j'attends, je pensais qu'elle essayait. Elle était en train de prendre des snaps. Je te demande la vie. Bah c'est bon. Maintenant on a compris, tu la prends et puis c'est tout. Allez go. Attendez. La blanche ou la noire? Telle est la question. Je prends la noire et tu prends la blanche. Allez hop. Mais pourquoi moi je prends la blanche? Parce que la noire elle me va mieux. Allez, à dans 2 heures. Hein. Ouais, mais je trouve que la... Oui. Et voilà, qui c'est qui a encore craqué? Là, ça va à un rythme, les gars. Au niveau des sous, ça va pas du tout. Hein. Je crois que je vais prendre la blanche aussi. Non. Franchement, je suis patiente comme cousine, quand même. Faut le dire. Moi aussi. Ah, le matin, elle l'est aussi, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc pour nous c'est le 2e jour à Ocean City. Donc ce matin, comme vous avez vu, on a été déjeuner dans un petit restaurant vegan. Alors c'est vraiment impressionnant. Depuis qu'on est ici, en fait je vois des restaurants vegan partout. Mais c'est vraiment vraiment cool, il y en a de partout. Donc ce matin du coup on a été là, on a mangé des pancakes qui étaient vraiment super bons. On a été faire du shopping, j'ai réussi à faire sortir Laura du magasin. Mais je pense qu'on n'est pas encore sorti de l'affaire. Je pense qu'à mon avis elle risque d'y retourner pour échanger sa robe. Restons calmes. Restons calmes. Voilà. Là, on va aller à la plage, rejoindre un peu la famille. Et puis tout à l'heure, on reprendra la route pour aller à New York. Et là, par contre, du coup, à New York, on va y rester, je pense, bien une semaine. On alternera, je pense, on viendra un peu ici, on ira un peu à New York. Voilà, pour le moment, tout se passe très très bien. Je me sens super super bien. Je sais pas si c'est le fait d'être loin, d'être en vacances, ou je sais pas, mais même niveau tout, niveau alimentation, niveau sport, niveau. Au niveau de mon corps, je sais pas, je me sens vraiment super bien, je suis hyper positive et j'espère que ça va continuer comme ça et j'espère que vous aussi c'est le cas. Donc on va aller profiter de la journée et puis nous, bah du coup, je vous prends avec moi et je vous laisse avec les images. Voilà, on a trouvé voiture à taille humaine de Laura. Regardez-moi ce mini Moïse. Non mais sérieux. J'avais raison, on retourne au magasin, elle va acheter ce combi blanche. Ça c'est la marche de la honte. T'es fière de toi ou pas? Tu vas aller redépenser ton argent. Ouais, juste pour une combi. Oui. Alors que t'en as à peu près 1500 dans ta garde-robe. Madame est contente. Madame est contente. Santé, bon, petit update. Du coup hier on a repris la route. On a mis 4 heures à venir ici. Voilà, donc on est bien arrivé à New York. Et mais elle se cache derrière moi cette petite. Elle est où? Salut. J'y crois pas. Et donc du coup ce matin on va aller un peu, je pense, marcher à Central Park. Et sûrement prendre le petit déj dehors, on sait pas trop encore, et faire du shopping. Tu peux peut-être te cacher derrière moi, c'est pas possible. Et peut-être aller voir un petit musée ou ouais. Quelque chose d'un peu plus intéressant que faire du shopping, quoi. Voilà. Ouais, c'est intéressant aussi. Non, il y a un truc qui m'excuse, c'est que j'ai mal au poignet. Je me suis blessé le poignet. Moi aussi, hein. Non. Arrête, je me suis plus blessé le poignet. Mais non, n'importe quoi. Mais je te dégomme depuis le départ, c'est pas ça. Affaire à suivre, les gars. Affaire à suivre. Le paradis des barres de protéines, les gars.
On était censé rentrer pour se changer il y a 2 heures. Ça fait 2 heures qu'on s'est changé. Ouais. On n'est toujours pas sorti. En fait, à chaque fois qu'on va faire le shopping ensemble, c'est vrai qu'elle a tendance à choisir des choses qui, comme de par hasard, me plaisent aussi à moi. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'ai une technique. Je prends pas exactement comme elle. Je change la couleur. Comme ça, elle y voit que dalle. Et du coup, elle commence un peu à s'en rendre compte parce qu'on a à peu près tous les mêmes fringues, mais en double, mais pas dans les mêmes couleurs. Je suis un peu déçue de moi parce que je pensais avoir plein d'idées ici et c'est vrai que je sais pas trop quoi vous filmer. Alors ce serait bien que vous me donniez quelques idées de vidéos et que vous me disiez un peu les sujets que vous voulez que j'aborde et un petit peu si vous voulez voir des choses en particulier à New York ou des choses comme ça. N'hésitez pas à me le dire et à me le mettre dans les commentaires, comme ça je pourrais. On a été coupé par un appel et une personne bizarre qui voulait rentrer dans l'appart et j'attends vos retours et vos idées surtout pour les prochaines vidéos. Je disais que... Oh là là, Lolo t'es où? Je suis là. On n'a pas repris la caméra depuis tout à l'heure. On est sorti, on a refait du shopping. On a encore craqué à cause d'elle. Bon, du coup, le programme là, c'est qu'on rentre à la maison, on se change, on se fait un peu plus jolie. Et on va aller prendre quelques photos, je pense, sur Times Square et un petit peu dans New York. Et peut-être se prendre un Starbucks sur le passage. Voilà, voilà. Je croyais que c'était un nez de crocodile à la base, moi. J'ai pas capté que c'était des petites tortues. Bon, finalement, hier soir, on n'est pas ressorti. On est rentré, on était crevés, du coup, on allait se coucher. Mais ce matin, du coup, on s'est levé tôt. Et là, on est à Central Park. Grosse motivation d'aller courir, mais chiante que je suis. J'ai envie de faire pipi au bout de 5 secondes. Mais sinon, voilà, jusque-là, tout se passe bien. Notre voyage sportif, plutôt fructueux. Ah oui, aussi, la bouffe coûte tellement cher ici, c'est un truc de fou. Tout notre budget, la moitié de notre budget, il part dans la bouffe. C'est impressionnant, on a fait autant de shopping que de budget bouffe. Donc si vous avez des conseils ou des adresses à nous donner où on peut manger sain, sans dépenser à chaque fois genre 15$ par personne pour un repas, ce serait vraiment cool. Si je trouve, je vous ferai partager, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est un peu ruiné par la bouffe. Tenue numéro 2 après 6 km de marche parce que du coup on n'a pas couru. Une douche et... C'est qui a encore piqué mon style? Mais qui c'est qui a encore piqué mon style? Non. Qu'est-ce qu'on va aller refaire aujourd'hui, Laura? Du shopping. Du quoi? Du shopping. Sauvez-moi. Sauvez-moi de ça. J'ai l'impression que ce vlog est un peu désorganisé et un peu du n'importe quoi. Mais écoutez, c'est un peu ce qui se passe en ce moment là. On est un peu désorganisé, on est un peu du n'importe quoi. Mais c'est comme ça qu'on est dans la vie, alors bon. J'ai l'impression que c'est pareil en voyage du coup. C'est parti. J'avais aucune idée de comment finir ce vlog. C'est-à-dire que tout le long, j'ai cherché de l'inspiration pour pouvoir vous montrer des choses, vous parler de certaines choses, mais j'avais aucune inspiration. Donc, on se retrouve autour du baby-foot, dans le sous-sol de notre parfait appartement à New York.
qui n'est actuellement pas à nous en fait, hein, voilà. Je porte mes petites lunettes que j'ai achetées aujourd'hui, ça a été mon seul achat de la journée, sachant qu'on a passé à peu près 5 heures dans les magasins. Voilà, des petites lunettes de chez Urban Outfitter qui sont anti-UV violet et qui m'ont coûté 12$. Sachant qu'on a dépensé à peu près 30$ dans la bouffe encore aujourd'hui, nous serons ruinés dans à peu près nos estimations 10 jours. Et combien de jours nous reste-t-on ici? 21. On va faire une partie de baby foot, donc forcément je vais gagner, vous allez admirer ma victoire. Ah bah, on a l'habitude. Voilà, vous allez admirer. Et en même temps, on va essayer d'avoir un débat. Alors, on sait pas encore sur quel sujet. J'ai envie qu'on parle soit de chirurgie esthétique, soit de confiance en soi. Oh. Oui, mais Davy, elle a pas beaucoup confiance en elle en vrai. Moi, j'ai pas beaucoup confiance en moi en vrai. Ah non, non, ça compte pas. C'était le premier. Non, non, ça compte pas. Non, non, non. Est-ce qu'une fille qui montre son corps sur les réseaux sociaux, ça veut pas forcément dire qu'elle est bien dans sa peau? Bah non, ça veut pas forcément dire qu'elle est bien dans sa peau, ça c'est sûr. Et pourquoi tu penses ça? Foust. C'est quoi Foust? Je sais pas, ils m'ont dit ça en anglais. Bah on veut toujours paraître une image plus positive de nous. Pas forcément ce qu'on est dans la vraie vie. Et... Ah, c'est super de pas de mal. Oui. Ouais. Est-ce que tu vois par exemple moi? En vrai genre je m'expose quand même beaucoup sur... En vrai, t'as des craintes et je trouve ça dommage. T'as beaucoup de craintes, pour un rien, tu vas te sentir pas à l'aise. Tu t'es... Après, c'est comme, bah, comme toutes les filles. Comme tout le monde. Toi. Oui, bah même moi la première. Je me demande si c'est pas une mauvaise chose genre de se montrer en mode plus beau sur les réseaux, genre, vouloir être pareil plus beau sur les réseaux, et qu'après, du coup, ça nous donne encore moins confiance en nous parce qu'on a l'impression d'être redevable de quelque chose. Genre, en gros, que vu que sur les réseaux, tu te mets en mode en valeur, quand tu te sens redevable d'être vraiment bien en vrai. Bah après je pense que tu t'en rends pas compte parce que c'est l'image que tu voudrais si on s'affiche comme ça c'est parce qu'on aime. T'aimerais avoir l'image que genre que tu montes sur Instagram. Voilà. C'est comme toi, t'aimerais bien en fait avoir la même image. Ah oui c'est clair. Confiante. Comme, oui c'est comme clair tu parce dis, que... comme tu veux l'être. Mais qu'au final Faust. Mais qu'au final enfin. Bon alors elle est en train actuellement de me démonter. Faut être honnête. Pas forcément confiance en toi complètement tu vois. Pas forcément autant que je le dis mais ça veut pas dire genre que je me sens hypocrite. Parce que c'est vraiment genre ce que je le dis je le pense vraiment parce qu'il y a des jours où je me sens vraiment bien. Mais c'est vrai que c'est différent genre j'ai l'impression que quand t'as beaucoup de monde autour ou genre qu'il faut vraiment genre être dans une situation où tu te mets en maillot de bain ou t'es à nu devant des gens que tu connais pas forcément. C'est plus compliqué genre. Et qu'est-ce que tu penses de la chirurgie esthétique? Pourquoi tu t'es mis un 2 là? Merde. Je croyais que t'allais pas le voir. Genre l'image que tu donnes aux gens de toi, genre c'est un truc qui est hyper genre, ça fait tout, ton non, image. Non ça fait pas tout mais malheureusement on est dans un mood où ça... On est dans un mood où c'est vachement important au jour d'aujourd'hui. C'est dommage mais il faut qu'il y ait une détermination, c'est pas genre oh bah tiens aujourd'hui je trouve que mes lèvres elles sont fines. Bah tiens on va aller se refaire botoxer, non faut que... Ouais. Parce qu'en vrai, ça devient de plus en plus commun, elle est de plus en plus jeune. Genre, tu vois Kylie Jenner, elle a notre âge et elle s'est fait refaire à peu près tout le corps. Quoi. Et j'avais l'impression que, genre, Foust. Oh, j'ai dit Foust. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se sentir mal dans son corps. Si les réseaux sociaux, bah, ça aide pas. Et moi, la première, hein, je suis tout le temps en train de liker les photos de trop belles et tout. Mais parce qu'on a l'impression que c'est motivant. Alors après, je me demande si vraiment c'est motivant ou si c'est pas contre-productif. Ouais, mais c'est beau de rêver aussi. Il n'y aurait pas un sujet sur lequel on pourrait s'embrouiller? Parce que hier on s'est embrouillé pour la première fois de toute notre vie, faut que vous le sachiez quand même. Non, s'embrouiller, oui, toi, j'avoue que tu m'as souillé. On était en train de s'embrouiller, puis d'un coup il s'est mis à pleuvoir violent, donc je pense que c'est le karma aussi, ça. C'est Dieu qui nous a fait un signe. Moi en tout cas, je pense que chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Genre limite, une fille qui monte son corps sur Instagram, c'est genre un peu. C'est mal vu. Ouais, voilà. Après, il y a montrer, ça dépend de la façon que c'est fait maintenant. Je donne l'exemple de celles qu'on pense toutes les deux. Oui. On va dire leur prénom parce qu'on sait jamais, tu vois, si ça peut offenser. Par contre, tu veux bien focus sur moi, caméra? Est-ce que tu te verrais faire des photos comme elles font? Ça dépend parce que elles, c'est pas que sur un point de vue montrer leur corps, enfin ça... C'est leur business aussi, tu vois. Voilà, c'est ça. Sur le fait que c'est leur business et que c'est leur marque de fabrique, ben... Il n'y a plus de choquant parce que ça fait partie de leur personnalité. Après, c'est deux choses différentes aussi, tu vois. Genre, si tu te sens belle et que tu veux te montrer, je vois pas trop le mal à vouloir le montrer. Et je trouve que c'est pas forcément bien vu.
Si genre si c'est pas genre ton business ou ton centre d'intérêt ou genre que ça te rapporte rien, c'est-à-dire qu'une égérie de sport, une égérie d'une marque ou une meuf comme ça qui se met en string, ça va pas être choquant. Par contre, toi, genre si tu fais pas forcément un truc en particulier, si tu vas te mettre en string, bah tout le monde va être choqué quoi. Pour le point final, je dirais que chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Si vous voulez vous montrer sur Instagram, même si vous n'êtes pas forcément bien dans votre peau, je pense que, enfin moi je sais que je le fais vachement, mais ça veut pas forcément dire que je suis bien dans mon corps. Et c'est aussi une sorte de réconfort. Je pense qu'on se poste et qu'on se met à notre avantage pour un peu, ben, ça nous fait toujours plaisir en fait, je pense, de voir des gens qui commentent nos photos, qui nous... Ouais, c'est sûr. C'est une sorte de réconfort un peu. Mais ça veut pas forcément dire que la personne elle est bien dans sa peau, et c'est pour ça que c'est dommage de s'identifier à quelqu'un en se disant genre je veux trop lui ressembler, alors que cette personne ben, elle peut être aussi mal dans sa peau que vous. Voilà, bon, c'était un peu le débat babyfoot, elle m'a défoncé donc je dois aller faire une deuxième partie pour la défoncer avant que ça tourne mal et qu'on s'entretue. Mais voilà, j'espère quand même que ce vlog vous a plu parce que je savais pas trop de quoi vous parler. C'était un peu brouillon, il y a tellement de choses à faire ici, ce serait dommage de louper des occasions. En tout cas voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite avec plaisir à vous abonner et à cocher la petite cloche juste en bas pour éviter de ne plus jamais voir ma petite tête et de me perdre dans le néant de YouTube. N'oubliez pas non plus de me suivre sur Instagram parce que je poste tous les jours et je suis assez active par ici. J'ai aussi un blog que je laisserai en description, de toute façon je vous laisserai tout en description. Sinon ben, mangez bien, faites du sport si vous en avez envie. Ne soyez pas trop stressés, montrez votre corps, ne montrez pas votre corps, on s'en fout. Soyez heureux, je vous fais des gros bisous et on se revoit ben, demain pour moi et dans quelques jours pour vous. Cause if I only had 100 fans, I'd take them all to dinner, talk about the people that we used to be.